Et là, les amis, nous sommes de retour dans Resident Evil. Oh, qu'est-ce que je raconte, moi? Et là, les amis, nous sommes de retour dans Resident Evil 3, la version remake. C'est parti pour faire une difficulté encore plus dure que la précédente. Alors, j'ai trouvé le mode hardcore très facile grâce au bazooka, mais vraiment facile et c'était assez rapide. Donc, maintenant, on va faire le mode cauchemar qui est presque pareil. Les ennemis sont plus agressifs, les ennemis infligent encore plus de dégâts, les ennemis objets apparaissent à des endroits différents. Bon, ça devrait pas. À part que les objets apparaissent dans un endroit différent, ça va m'embêter parce que j'aimerais bien peut-être me concentrer vers un speedrun. Pas sûr. La dernière fois, j'ai mis 2h33. C'était presque ça pour avoir le A ou le S selon les sauvegardes. Donc, on verra encore. Allez, c'est parti. On zappe. On zappe. Et en speed. Hein. Ta 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 ta. Alors toujours la première personne, ce qui est désagréable au départ. On zappe les choses, on refait la même chose. Ah ben là, elle est pas placée au même endroit. Et on cherche toujours le même lieu. Elle allume les lumières maintenant. Voilà, c'est déjà fini la première personne. Ouais, j'arrive. Elle est vraiment habillée comme dans le premier, l'original quoi. Le tout premier Resident Evil. Ça le fait quoi. Alors, on passe les trucs et on avance. On speed, on speed, on speed. Ah, disons, ça le fait quoi. Ah, tu vas sortir. J'essaie d'aller vite, mais je peux pas te garantir que je suis si rapide que ça. Allez. Jill, par ici. Je fais de mon mieux. Ça va? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les emmerdes n'arrivent jamais seules. C'est comme Harkley. Et en pire. Oh. Ça c'est la meilleure. Eh ben dis donc les amis, je me suis fait avoir. C'est nouveau. Hein. Ah bah ben, ça venait de sauvegarder juste. Bon, on n'a pas vraiment perdu. Mais c'est dingue quoi. Ça fait deux fois que. J'étais surpris, ça m'a jamais arrivé avant. Ah, j'ai enfin réussi. Mince. Ah,
secours. Bah dis donc. Je pensais avancer vite fait, je me fais que avoir là. C'est incroyable quand même. Je voulais aller trop vite, hein. Mais c'est dingue. J'hallucine, hein. Et maintenant il y en a deux. Ah oui, mais que j'y pense, il suffit de se tourner quoi. Et ça promet le mode enfer où on doit pas sauvegarder. Où il y a la sauvegarde automatique, elle est enlevée quoi. Avec lui, là. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais purée, j'avise. Eh, mais il y a des bonhommes qui sont autre part, c'est. Non, mais lui, il est embêtant quand j'ai pas de bazooka. Il y a des bonhommes qui étaient là où ils n'étaient pas, quoi. Ça, je m'attendais pas. Que ce soit comme ça. D'ailleurs, elle a pas. Et elle l'a toujours pas pris, le fond. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. C'est hallucinant, quoi. Ce qui est bizarre, c'est qu'un zombie te court après. Dans le jeu, il te court après, hein, c'est comme ça. Et là, c'est. Je crois qu'il faut jouer sur l'histoire de l'esquive. Alors, ça, c'est déjà effectivement plus difficile, les deux. Hein. De loin et de loin. Hein. Donc, j'arrive sur le bazooka après. Ça devrait aller. Ah mais c'est pas vrai quoi, il a encore réussi à m'avoir. Vous connaissez ça, hein. Je pense que... Ça on peut faire. Alors, on peut pas passer. Ça va ? N'approchez pas ! Laissez-moi tranquille ! Allez, vous avez entendu ? Un hélicoptère va vous conduire en lieu sûr ! Quel lieu sûr ? Pas question que je sorte d'ici ! Le parking n'est pas loin. Je peux vous y emmener. Le lieu sûr. C'est là-dedans. Allez hop, en speed. Avec l'autre enfoiré qui va sortir. Il va falloir arriver à vite. Et il m'a quand même eu l'enfoiré. Ah bah dis donc. J'ai du mal hein. Ça promet ce mode hein. Le mode enfer, il va être un problème. Encore celui-là, ça ira, mais le mode enfer, ça va être pris, quoi. Ok. Il arrive à me courir après le con malgré que. Ça c'est dingue, il arrive à me courir après malgré que j'ai été éloigné. Ah.
Allez, on passe. Ah ah ah. Encore un, encore un, encore un. Encore un. Tu vas voir ta gueule, enfoiré! Voilà, enfoiré. Passer. On peut pas passer là. Là, on peut passer. Donc là, on voit Carlos. On est en sécurité. Ami Carlos. Ah, oh, c'est pas vrai. Quel connard qui a fermé ça. Désolé, on va devoir faire le tour. Hé, hey, qu'est-ce que tu sais sur ce monstre? Rien. Jamais rien vu de semblable. Mais c'est pas un zombie. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. T'aimes pas ce genre de mec? Non merci. Je te le laisse. Ah. Écoute, avec moi tout va bien se passer. Je suis de l'UBCS, le groupe de lutte contre les menaces biologiques de Umbrella. Tu te fous de moi? C'est une blague, c'est ça? C'est vous qui avez causé tout ça? Du calme. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute. Pas obligé de me croire. Mais moi, je vais à l'abri. Viens. Allez, c'est par là. Je suis venu. Ta-ta-ta. Donc, bientôt, c'est plus simple. On a le bazooka. Ta-ta-ta. Comme ça, on va pas s'embêter et on devrait pouvoir faire cette difficulté assez facilement après. Il y aura que la dernière qui est un problème. Faut pas perdre de temps. Va falloir t'équiper. Dirige-toi vers la sortie. Hop, hop, hop. Ok. Jill, c'est Carl. C'est des balles, donc on s'en fout. Ok, alors, hop, ici on va déposer, ici on va déposer, on va déposer et on va en prendre. On va prendre le jeu, les pièces, la première pièce. Hop. Enfin, on va jouer que avec ça, le reste on s'en fout, quoi. Le bazooka. Ok, autre pièce. Voilà, autre pièce. Voilà, alors, il manque une pièce. Voilà. Et il y a. Bon, j'utilise pas spécialement, mais on est censé utiliser ça. Ok, c'est parti. Oh purée, c'est pas vrai. Mec, au début il l'a pas. Enfin il l'a pas l'arme équipée et je me fais chaque fois avoir. Là ils sont beaucoup plus nombreux. Ah, c'est vrai qu'ils avaient dit qu'ils changeaient les créatures et tout le monde, j'ai oublié. Là, on s'en fout des petits trucs. On les élimine. Donc là, hop, on sait que on peut pas y aller. C'est pas dans le magasin de Donut qu'on a quelque chose. On cherche quelque chose, mais je sais plus exactement où c'est. Oh. Oh, oh, oh.
Ouais, ça a changé, ça ne veut pas aller là-dedans. Ok. Pas perdre de temps, faut speeder. Alors c'est pas là-dedans qu'il y a quelque chose d'intéressant. Oh, qu'est-ce qu'il fout là, lui ? On se fait surprendre parce qu'ils sont pas au même endroit. Quoi de plus normal de se faire surprendre hein? Alors, là, normalement, il y en avait un. Le tuyau est toujours là. Là où il y avait la sauvegarde, et non, mais c'est un peu surprenant. Lui il se réveille, non? Ça va être pas ok. En tout cas, on doit revenir ici. Maintenant, je me demande où était le truc de feu. C'était pas là derrière, clairement pas. Un donut, on peut y aller maintenant ou pas? On peut y aller. Ok, on va faire ça. Hein. On verra bien si on arrive à faire les moins de 2 heures. Bon, le rang S. Le rang S, c'est pas si dur parce que. On a les sauvegardes automatiques. Sur le mode cauchemar, toujours. Il n'y a que le mode enfer qu'il n'a pas. Quoi. Et c'est pour ça que le mode enfer, il va être effectivement costaud. Même avec le mode Vita, je pense qu'il sera assez difficile. Alors, est-ce qu'on a des trucs qui nous attaquent par derrière? Non. On n'en a pas. Ah ouais. Ouais, on est obligé de récupérer ça en fait. Y a quelqu'un? Ouais, on peut le suivre. Oui, de Nikolai. Pas ce côté là, non, c'est l'inverse. Ah, bah, dis donc, c'est par là. Ah, quand même, lui, c'est ce putain de chien. Allez, enlève-toi, ça. Ok, ouais, bah, de toute manière. Et on avance, on avance. On speed, on speed, on speed. Ça a tué celui-là là-haut aussi, super. Voilà, voilà, voilà. Ouais, 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 cours, cours, cours. Ah, oh, je peux même pas y penser. Alors ça, c'est une partie qui va être un peu difficile, par contre. Oh, flûte. Oh, vraiment flûte. Hein. Petit crochetage. Avec leur aide, hein. On est en cauchemar là, ça veut dire qu'on n'est plus en aide.
Ça va pas être la partie la plus simple à faire. Oh, tout ça prend du sens. Ça doit être ça. Ouais, mais c'est quoi ce cirque? Il a réussi à m'avoir comme ça? Moi, je suis dead, mais je peux pas être mourir parce que si je peux charger tout de suite. Que là il m'a eu, c'est déjà fini. Bon, en tout cas je préfère qu'il m'a au premier que au quatrième quoi. C'est pas sûr. Mais ces trucs là sont durs à tuer quoi. Honnêtement, c'est pas. Là j'ai l'impression que je suis bien sorti, il y en a un. On va recharger, mais ça m'en manque un. Je me suis planté quelque part, sûr et certain. J'ai celui-là au fond. Okay. Oh mais en plus il m'a eu quoi. C'est dégueulasse. Ah voilà, c'est ça. Bon, cette partie elle est quand même embêtante. Bon, après c'était déjà le cas aussi en hardcore, que c'était déjà beaucoup plus dur. À ce point là c'est une quoi. Il y en avait un en haut qu'on pouvait même pas voir quoi. La difficulté pour les tuer. Vraiment pas se faire avoir et c'est pas de la tarte. Il y a à peu près 3 ou 2 premiers. Après il y a encore les suivants. C'est bizarre. Ah non non non! Ce point là est un peu difficile et un peu long. Ça faut l'admettre. Je sais pas si je l'ai eu ou pas, je crois. C'est vrai, mais ils sont faciles à tuer. Il y en a encore un qui est venu, merde. Je suis presque dehors, enfin, de cette saloperie. Voilà, on est content qu'on est dehors de ça. Hein. Ça, c'est une fois sûre. Maintenant, il faut retrouver le train. Okay. Il n'y a plus qu'à activer l'alimentation principale. Voilà, t'as compris, mais ça va pas être aussi simple que tu crois.
Non, ça c'est le mauvais sens, Jill. Ouais, avec ces salopards de Nemesis, ça va pas être aussi facile. Donc en cauchemar et en fer, normalement c'est pareil, le principal problème de l'enfer c'est qu'on n'a pas la sauvegarde automatique. C'est à dire que si on meurt, bah, on se retape. On n'a pas le droit. Qu'est-ce que c'était ce cirque? Ils m'ont bien eu. Ah, je vais mettre qui m'ont eu. Allez, hop. Gloria sont plus de ça. Reviens à la station, on va s'assurer que le métro est prêt à partir. Ouais, et on va continuer. Lui tirer une deuxième fois dessus. Bon, comme ça, ça paraît pas difficile à part le truc de vie. Hein. Parce qu'on n'avait pas le bazooka. Par contre, ils ont quand même pas mal de détenus. Voilà, je peux pas les tuer si je veux faire ce speedrun, j'ai pas le temps. J'ignore les corps, j'ignore même les sauvegardes, on s'en fout. Il y a la sauvegarde automatique. Donc, pas la peine de vouloir s'en aller.
contre là c'est abusé quoi. Après je commence, il me touche tout de suite deux fois, j'ai même pas bougé un petit chouïa. En fait les pièces et le bazooka ça le fait très bien. C'est excellent pour faciliter les choses parce que sinon ce serait très difficile. Clairement, ça facilite les choses. Ah bah je suis mort avec hein. Non, charger. Faut bien penser à charger et ne pas utiliser continuer, sinon on a un timer qui est pas bon. Allez viens, espèce d'enfoiré. C'est ça que tu veux? Alors amène-toi. D'un autre côté, je pourrais le tirer sans. Ah, j'ai pas besoin des... J'ai pas besoin... Et voilà. Je crois que c'est le mauvais sens. C'est bizarre. Ah ouais, d'accord, c'est juste. Voilà. Carlos, tu me reçois? On va passer ça. Je trouve une solution. Là, on peut pas monter. Donc on va aller par là. Alors ici il me faut la batterie. La plante directe va monter, ça va vite. D'accord. Ah, ce truc dégueulasse. Chargé. Ouais, je m'en doutais qu'il allait sortir par la flotte. Hein. Je le sentais, quoi. Hein. C'était presque sûr, ce truc. C'était presque sûr, hein, les amis. Hein. Bon, après, je sais pas à combien de temps je suis, mais je pense que j'avance quand même assez bien. Sauf que là, j'ai fait vraiment le con. Cette fois-ci, alors que je l'avais pas fait avant. Et les secondes qui passent, ça joue moins pour arriver au bon timing. Oh merde. J'ai qu'à brûler mes freins. Ouais. D'abord, il faut arriver à sortir d'ici, du coup. Hein. Il n'y a pas qu'en sortie. Hein. Voilà, maintenant on est trop foiré là. Vache, c'était quoi ça? Ils sont des pourris. T'en soucie pas trop, Jill. Faut juste récupérer la batterie. Voilà. Wow. Voilà. Alors, combien il y en a qui vont venir dans le chemin différemment que la première fois? Parce que là, on ne sait pas où il va venir.
Là, est-ce qu'il apparaît toujours ou est-ce qu'il apparaît autrement? Voilà, on monte. Ah, c'est pas par là que je vais aller. Ok, là c'est le bon chemin. Voilà. On descend et on a déjà fini les égouts. Si elle veut bien. Bien sûr. Si moi, si elle veut bien, que on va pouvoir. Voilà. Et c'est parti pour monter. Arrête d'appeler Carlos. Eh mais pourquoi j'ai tiré si c'est pas pour avoir? Je peux charger, voilà. Allez. Ah ouais, la version truc, ça va pas être si simple. Aussi bien se poser la question en mode enfer, et ben on sauvegarde où? On a le droit à 5 sauvegardes, mais où on va les faire les sauvegardes si on veut la classe S? Parce que c'est ça qui va être déterminant. Il faut que je sorte, et vite! Bon, là, moi j'aurais déjà sauvegardé à ce niveau-là parce que je crois que c'est là que je ferai ma première sauvegarde. Avant que je sois le combat, on sait jamais. Allez, monte, ne te soucie pas de lui. Tu l'auras plus tard. Ouais, m'a tué. Ok. M'a tué ici. Ok. Alors là, je suis exactement. Ok. Il m'a tué en un coup là. C'est abusé quoi.
Alors que j'ai des pièces et tout pour tenir. Je voulais le battre vite fait, mais c'est pas. Ok, amène-toi. Ah, mais merde, ça. J'arrive pas à les tourner autour, quoi. Il faut lui tourner autour. Ouais, là je pense que ce serait ma première sauvegarde parce que c'est un endroit assez délicat. Ok, amène-toi. Il me tire en place. Bah dis donc là, c'est pas facile. Voilà, ça fait. Suite. Encore Carlos. Donc là, je crois qu'il faut juste l'éviter. Et c'est là un endroit aussi assez embêtant, quoi, là. Surtout quand la boule, elle tombe, là. Le laser et après la boule qui tombe. Mais bon, je pense que la sauvegarde avant, c'est peut-être pas plus mal parce que... Voilà, on sait jamais si je perds à ce premier match. Ouais, j'aimerais pas prendre le risque. Ah oui, on perd pas de temps avec eux. On peut se traverser. On va pas perdre plus de temps. Ah, il y en a qui apparaissent vraiment n'importe où. Ils tombent hein, dans la version cauchemar. Ils tombent de partout. Bouge pas. Ouais, blabla. La clé. T'as la clé de Gilles, c'est bon. Le reste, on s'en fout. On va essayer de le faire, ce speedrun là, le moins de 2 heures et tout. Mais bon. On va rien savoir. Si ça marche, c'est la clé. Ok, je crois qu'il va bientôt revenir là, il me semble. Ouais, c'est enfoiré. Avec le laser. Carrément. Là, il tire plus ou quoi? Eh putain, il m'a même pas. Il est vachement agressif là. J'arriverai à passer. Enfoiré.
pas sûr que je suis dans le bon chemin, mais si, si. Allez, hop. On a bientôt passé ces points. Normalement, la deuxième fois, le battre, c'est pas compliqué. La troisième fois, normalement, c'est compliqué. Mais bon, on l'a vu quand... Avant, je l'avais fait facilement à record. Et d'ailleurs, j'étais très surpris de la vitesse où j'ai pu le faire. Ah, en 10 minutes, on avait bouclé le truc. Alors ça, c'est une partie qui est effectivement compliquée. Mais là, j'avais fait esquive. Pour faire une esquive, et alors... c'est une partie assez complexe. Oh, c'est délire. Et voilà. À la suite. Ah, tu bloques les choses, mind-toi. Essaye de faire ce speedrun, machin. Carlos, moins de deux heures là. Sympa avec toi, mais merci de m'avoir sauvé. Hey, tu m'as sauvé en premier. T'es bien plus courageuse que moi. Ce qui compte, c'est qu'on va pouvoir évacuer tout le monde maintenant. Ouais, tu seras hors de danger. Et toi ? D'après ce que j'ai compris, je suis pas du voyage. Et pourquoi ? On a de nouveaux ordres. Enfin, si c'est pour aider la ville, moi, je suis pas contre. La dernière fois, le commissariat, j'ai fait ça assez vite. Et j'aurais pu aller largement plus vite en plus. Alors là, je pense que ça va être pareil. Ah, il faut, hein, plus vite ça va, plus vite. Voilà, on passe les choses. Bon, redescends sur Terre, Roméo. On est au commissariat. T'es sûr ? Moi, je trouve que ça ressemble plus à un cimetière. Amène-toi ! Oh, flûte ! Bon, on va rechanger. Allez, je voulais le laisser, mais non. T'as fini ? Ok, on est dans le commissariat. On a encore pas mal de choses à faire. Hein. De choses à faire pour arriver. Allez, cours, Carlos. On n'a pas ça à faire. Amène-toi. Qu'est-ce que tu fous, toi? Laisse-le. Allez. Ah purée, mais c'est bien toi. Ah ouais, il est en train de mettre des plombes à ouvrir la porte quoi. Ah bah ça c'est embêtant, moi je voulais l'éviter quoi. J'avais pas prévu ça. Ah c'est embêtant quoi. Amène-toi. Mène-toi. C'est ouvert. Alors vas-y, bouge. Il est passé où ce flic? Je sais pas et je m'en fous. On a autre chose à faire. Allez, on va avancer. Les infos sont exactes. Bard est dans le bureau du Stars. On a juste à le trouver et à le capturer. Capturer? Je croyais que c'était un sauvetage. Carlos, bat un peu ça. C'est ce que j'essaie de faire. Localiser le bureau du Stars. Oublie pas,
Bard connaît les pires secrets d'Umbrella. Il sait qu'on ne le laissera pas partir facilement. Donc cette mission recherche et sauvetage, c'est plutôt trouver et capturer. Ok. C'est bon à savoir. Je vais ouvrir la grille pour que tu puisses passer. Toi, reste ici et tente de savoir ce qui s'est passé dans le commissariat. Je t'appelle si j'ai du nouveau. Hé hey. Sois prudent. Ouais. Aussi, mec. Putain, c'était quoi ce truc? J'ai fait une faute. En recharge. Et elle est pas petite la faute. Oh bah mince, en plus on reprend ici. Ok. Elle est un peu grosse la faute. J'ai oublié de prendre le coffre. J'ai oublié que Carlos, lui, il a toujours ses dents. Il a toujours ses armes à deux balles. C'est ouvert! Alors bouge! Il est passé où ce flic? Je sais pas et je m'en fous. Autre chose à faire. Si nos infos sont exactes, Bard est dans le bureau du Star. Alors là c'est pareil. Alors. Oui, déposer. Oui, déposer. Hop. Ensuite, on veut les pièces. Comme ça, on va être beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide. Alors, hop. Ensuite, on veut le lance-roquette. Hop. On veut le journal. Mais bon, à la limite, hein, pas forcément besoin. On veut la pièce. Et on veut. C'est la dernière, je crois. Et voilà. Et les restes. Il faut trouver et à le capturer. Capturer? Je croyais que c'est. Il faut aussi l'équiper. Ah, il était équipé là-bas. C'était un sauvetage. Non, pas ça. Carlos, mate un peu ça. Ouais, vas-y. J'ai localisé le bureau du Stars. Oublie pas, Bard connaît les pires secrets d'Umbrella. Il sait qu'on le laissera pas partir facilement. Donc cette mission recherche et sauvetage, c'est plutôt trouver et capturer. Ok. C'est bon à savoir. Je vais ouvrir la grille pour que tu puisses passer. Toi, reste ici et tente de savoir ce qui s'est passé dans le commissariat. Je t'appelle si j'ai du nouveau. Hé hey. Sois prudent. Ouais. Toi aussi, mec. On y va, on perd pas de temps. Hop. Tu peux y avancer. Putain, c'était quoi ce truc? On s'en fout de ce truc. Avance. Il y aura pire plus loin. Tiens, c'est bizarre, je me suis encore planté. C'est une folie aujourd'hui ou quoi? Bon, là, je viens de perdre quelques. Seconde, bon ça devrait aller quand même. Merde. Et bah, ils savent recevoir. Ah d'accord, ici. Ils les ont mis plus tôt. D'accord, il apparaît plus tôt. Ah ah. Bon, on n'a pas le temps là, il faut avancer. Tyrell, tu me reçois. Apparemment, il y a un. T'as déjà vu avant? Carlos, le bureau du Stars est à cet étage. Compris.
Ok. Ok, on redescend. On cherche la pile. Apparaît plutôt toi. Ah, il y en a deux. Ah. D'accord, il y en avait deux. C'est quoi le 104, je crois. Qu'est-ce que c'est que ceci? Il est mort lui, il revient. Ah, ils m'ont eu, hein, bon. C'est comme ça. Qu'est-ce qui m'attend encore après? L'autre qui sort du casier qui sortait pas. Ouais. C'est bon, sinon on a presque. Carlos! On a presque fini la partie. Alors. Merde, c'est dur d'avoir la côte. Faites la queue, il y en aura pour tout le monde. Il est mort. Ah, il m'a encore bien eu. Encore cette salle. Cette saloperie est morte. Ça va prendre un moment. On va voir si tu trouves quelque chose d'utile. Et voilà. On avance assez bien. Je pense, hein. Maintenant, nous voit elle de battre l'autre enfoiré. Alors, en mode hardcore, c'était hyper simple. Carlos ? Blabla. Le reste, on s'en fout. Ok, c'est nettoyé. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ont mis quelque chose. Bon, c'est pas grave, on a passé. Maintenant, il y a l'autre enfoiré. À rebattre. Maintenant. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est ça, c'est hyper facile quoi les boss avec
Ok, Carlos, c'est parti. C'est à ton tour. Alors lui, c'est une autre histoire. Il faut qu'il cherche la clé. Non. Ah. C'est vraiment pas le volant. Waouh. N'attendez pas que celui-là, il apparaît ici. Ah, c'est sympa quoi, ils ont un peu changé les choses. Ça a mis du piquant. Et puis bon, ça reste très agréable vu qu'on a le... la big arme qui tue tout. Hein. On va dire que ça l'est pas. Alors là, le truc c'est... Ah non, il faut pas avoir passé par les fenêtres, donc c'est tout droit. C'est la deuxième fenêtre. Pas la première, donc là il y a la première. C'est la seconde. Ah, là elle est la clé quelque part. Ah mais c'est la clé que je cherche. Voilà, maintenant on peut remonter. Alors, je connais plus tout par cœur. On a la clé. Là, je sais plus si c'est en face ou si c'est au fond qu'il faut aller. En tout cas, on avance. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, il nous reste Jill. C'est... On se rapproche de la fin. Alors que j'arrive à speeder assez vite, je pense. J'ai oublié lui. Oh, j'ai oublié. Oublié mon gars, désolé. Alors je sais plus si c'est en face comme dit, ça c'est embêtant. Je sais plus si c'est là. Non, c'est pas là. Là il y a la carte. Perdons pas de temps. Ça doit être là. C'est ça qui nous donne la carte. Ça va vite, hein. Avec notre super arme. Sa gueule. Alors maintenant il faut aller au fond là et on aura bientôt fini. Ok, là, ouais. Il y en avait un qui se promenait là, mais non. Ah bah, en plus, je viens de réaliser, j'ai pas le magnéto, je suis en train de chercher une cassette. Mais le magnéto, je l'ai pas pris non plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé ça? Ok, j'ai la cassette et maintenant le magnéto il est à la réception normalement. Je suis tellement speedé que finalement je vais conseiller de passer par là je pense parce qu'il y a la porte mais bon. Je suis quand même obligé de faire un tour quoi.
Alors, il me reste plus que le magnéto qui est en bas. À moins qu'ils l'ont déplacé, mais normalement, il me semble que non. Pour ceux que j'en sais, les seuls objets qui ont été déplacés, c'est les gemmes et c'est. On n'en a pas besoin, quoi. Excusez-moi, tout ce que je voulais savoir, c'est ce que ces documents faisaient dans votre bureau. Vous savez à qui vous parlez? Je suis Nathaniel Barr, bon sang! Ok, alors. Pour moi, t'es juste un cadavre, hein. Allez, hop. Tyrell, Barr est mort. Il a été abattu. Pas direct. C'est où le point vert? Non, c'est là en face. Ok. Ok, on a le vaccin. Ouais, on y va chez Ville. Tyrell, je l'ai. Allez, on passe-moi ça. Bah, dis donc, hein. Je l'ai pas tué, j'aurais pu, hein. Je prends fur là. On va s'arranger, Gila. Et voilà le vaccin. Là, on aurait pu faire la deuxième sauvegarde parce que c'est un point compliqué. Je serais mieux de m'équiper. Enfin, entre parenthèses. Ouais, c'est plus ça avec ce qu'on a. Maintenant, je la fais. Commence. Ouais, ouais, commence. Wow! Ok, attendez, suivant. Ah, il arrive. Ah, il traite pas quand il est pas mal. Oh, c'est dingue. Les lumières là, parce qu'il y a encore pas mal. Oh, c'est pas vrai. Cherche le disrupteur, il doit être quelque part. Yeah.
barre là. Et dessus. Ça y est presque, ça y est presque, c'est pas vraiment hein. Ça y est presque hein. Moyen de tuer des zombies dans cette zone. Oh, j'avais oublié de l'attendre. Et on est parti avec Jill. Ah, normalement. Ah. Ok, on va finir là. On a plus pour trop longtemps normalement. C'est là qu'il y a des sacoches. Qu'est-ce qu'il fout là lui, c'est nouveau. Ils ont changé ça. Okay. Ça doit mener sous terre. Et hop, on descend. C'est par là. Comment ça se fait que personne à l'hôpital n'ait remarqué tout ça? Avant là, il y a une sacoche. Pour la prendre, c'est utile. Surtout dans cette zone là. C'est utile vraiment. Alors. Là, il faut prendre ça. Et oh, voilà. Je dois l'avouer, ta ténacité force le respect. Mais j'ai bien peur que la partie s'achève ici.
Est-ce que c'est fini? Voilà. C'est un truc qu'ils ont foutu. Là, c'est pas un problème. Eh, hey, mais il marche. Ouais, je suis mort. Alors ça, je m'attendais pas qu'ils ont mis un truc pareil ici. Ça, c'est pas... Ça change pas mal de choses, hein. Ça, ça va être pas si facile. Là, je peux plus éviter comme le comme les chiens. Il faut vraiment les tuer. Et d'ailleurs, je sais même pas vraiment où il apparaît, c'est ça le pire. Là-dedans ou pas? Ah d'accord, il est là-dedans, ouais. Ça va, il est dedans le truc, quoi. Putain, chaque fois que je le loupe, celui-là... Et en plus, j'ai oublié de prendre. Ah, j'ai oublié de prendre le fusible. Ah là là, qu'est-ce que je fais? Oh, c'est presque la fin, mais pas encore tout à fait. Allez hop, on va vite faire ça. Cul-de-sac. Non, peut-être pas. Voilà. Alors, ils ont laissé la même chose ou c'est autre chose? On n'a pas changé ici. Ok. Alors, je sais pas du tout en combien de temps je suis, mais j'espère que j'y arriverai les 2 heures. Mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, il vient par derrière.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a rien dedans, mais... Voilà, ça y est. C'est bizarre. Lui les zombies pour mettre juste deux chiens avec le truc. Oh, ouais bof hein. Bon avec l'arme qu'on a bof hein. Bah, dans d'autres cas c'est peut-être différent effectivement mais bon. On est à la fin. Ah, flûte, c'est ça qu'il faut faire d'abord. Ça devrait être par là. Elle refuse de courir. T'es sûr que tu veux pas rester là? Pourquoi le faire? Je veux pas passer. Je viens avec toi. D'accord. Alors on continue. On continue, on va bientôt avoir le boss de fin. Ta-ta-ta. Allez hop, on monte. Les nouveautés. Quel superbe truc. Clé de bébé. Les nouveautés, quel superbe truc. Ouais. Alors maintenant on a les deux bases du vaccin, les deux parties du vaccin, machin. Et après on a plus qu'à le faire. Regarde, ça peut être... Ça fait bien aide, lui. On va pas lui courir après, machin. Wow! On a placé à un autre endroit. Ok, ils m'ont eu. Je devrais pouvoir synthétiser le vaccin avec ça. Ok. Alors, il ne reste plus qu'une partie. Et après, c'est les plus proches du boss. Que la même créature ou pas. Ça doit être l'alimentation. C'est bizarre, il y a peur de... Yeah, c'est louche ça, ils ont enlevé les zombies.
y a vraiment rien. Ça et hop, on a la base. C'est dans le développement du vaccin. Voilà, la base est faite. Ta-ta-ta. Pour tuer les pourris de ça, ça va être une autre paire de manches. Carré en 5, hein. Ok. Non, on veut pas monter. On veut. Si, on veut monter. Si, on veut monter. Wow! Là aussi, il était pas prévu. Ah, c'est l'autre enfoiré, d'accord. Je pars du mauvais sens. Oh, mais il freinait lui en plus. Allez. Il m'a vraiment effrayé en plus. Hein. Je m'attendais plus du tout qu'il y avait. Bon, là, c'est le problème. C'est qu'il faut arriver à retrouver le code. Alors, voilà. Voilà, on va se taper l'autre enfoiré de nouveau. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Gilles, c'est toi? Trop facile dès qu'on a le bazooka et les pièces, hein. C'est vite fait quoi. Bon, il reste plus que à faire le dernier.
ça peut être un peu plus embêtant parce qu'en hardcore il se réveillait vachement vite. Hein. Un petit peu, mais pas trop. Hein. Ouverture du portail agressif là. Ouais, je me disais que là ça peut être un peu embêtant. Il est effectivement agressif. Hein. Faut arriver à bien viser ces machins bidules. Hein. Alors qu'il n'y a que ça pour finir. Hein. Tout que ça qu'il reste à faire. C'est fou quoi, on est à la fin et j'ai du mal quoi. C'est dingue, on dirait qu'il se protège, il m'a empêché de tirer sur... Ah, c'est costaud. Ah, dire que c'est le dernier truc quoi. Ah, j'ai presque clos tout et maintenant il y a cette saloperie encore. Pas debout. Ah. Putain, mais j'hallucine quoi. Là, il faut esquiver en fait. Ça y est, j'ai compris, il faut esquiver. Oh, mais c'est balèze pas autrement. Ok, il faut esquiver. Ok, tu ne trouves pas. C'est pas facile de le faire du coup. Compliqué ça maintenant. Ouais bon, alors il faut arriver à esquiver. Il faut arriver à détruire les 6 trucs. Ouais bon. C'est... Ouais, c'est dommage quoi, parce que c'est vraiment la fin de chez fin quoi. Thank you.
masse. On a ça, il faut d'abord. Ça, ça va. Pas tranquille un petit peu. Oh, mais il me laisse même pas. Oh, c'est dommage à la fin. Je pense que je suis au bon timing et tout, mais il faut que j'arrive à battre. Faut que j'arrive à esquiver, tirer dessus, c'est pas simple. Hein. Ah, bon, moi ça me donne une idée de là où je devais devoir sauvegarder pour le mode enfer, quoi. Bon, au début, on va chercher une 14 verre, on va. Ça, ça va faire. Voilà. On va tirer dessus en forêt. J'appuie la touche pour bouger, pour esquiver. Elle esquive pas. Putain, mais c'est dingue, quoi. Quand elle s'est pris une tarte, hein, c'est fini, quoi. Quand elle se prend une tarte, c'est fini. Hein. Y a rien à faire, quoi. J'arrive à le faire tomber une fois, peut-être que j'arrive tout à faire, ou peut-être pas, allez ça va. Ah, ça m'étonnerait. Je pense qu'il va falloir le toucher en plus trois fois. Quoi. Ouverture du compartiment. Ça, ça peut faire. Ouais, salut. Pas bouger quand elle s'était touchée. Oh. Ben les amis, je crois que je vais vous faire une coupe si ça continue. Je vais ouais, je vais faire une découpage peut-être si c'est trop long. Hein. Pas mettre tous les échecs, c'est pas la peine. Si on se fait toucher une fois, en fait, on n'arrive plus après à esquiver, c'est vraiment embêtant. En fait, ce combat-là, il est hyper dur. Que je fasse esquive s'il me touche quand même. Putain. Non, c'est pas ça qu'il faut faire en plus. Oui, on prend du temps, mais c'est faux. Charger l'auto. Ah bah, je vais déjà. Je vais en faire une première sauvegarde au cas où. Jamais si je coupe ou pas. Et là, dans mon timing, on peut voir le timing comment. Ah, je suis à peine à 1h13. Bah, dis donc.
Il fallait faire moins de 2 heures, j'ai 1h13 quoi. Il n'empêche que cet enfoiré est chiant quoi. Bon, pour les temps, je suis largement bon, mais par contre, par contre, pour l'avoir, ce con, cette partie est difficile à la fin, c'est dommage. Hein. Oh là là, on pense qu'on a fini. Yeah. Et en plus, il faudra le faire encore une fois, ça, avec le mode enfer. Là, clairement, il faut se garder en mode enfer hein, avant le combat. Hein. C'est costaud. Hein. Pas le droit de se faire toucher. Détruit pas tout quoi. Ah, y a rien à faire, hein. J'ai du mal. Ah bah dis donc. Ce combat était simple au départ, dans les modes plus faciles, mais là, c'est clairement pas le cas. Une fois touché, t'es mort. Bon, il faut que je lise bien et que je fasse gaffe à ce que... Tu l'as senti passer, hein? T'en veux encore? Et voilà, il m'a touché de nouveau. Elle arrive pas à se lever à temps. Et ça fait pas du tout sous prétexte que je vais détruire les parties quoi, y a rien à faire quoi. Ah là là, costaud quoi. Ouais, mais là il faut y aller quoi. Non les amis, je crois qu'on reprendra ça la prochaine fois parce que c'est vraiment très dur. Donc je vais peut-être mixer les deux ensemble et la vidéo, mais je vais vous faire une découpe parce que c'est très dur. So, sur ce, bye. Et là les amis, on se retrouve pour Resident Evil 3 pour la suite et fin
avec en mode cauchemar, avec le boss final qui est extrêmement difficile. Et en plus, hein, il faut pas oublier que une fois qu'on a battu le boss de fin, il y a aussi Nikolai qu'il faut tirer. Et je pense que là aussi, ça a été vraiment compliqué. Et après, on verra. C'est pas chose aisée. Pour l'instant, en tout cas pour moi. Après, c'est sûr qu'à force, ça se facilite. Mais au départ, pour moi, c'est compliqué. Et ça devient de plus en plus simple, c'est sûr et certain. Donc voilà. D'abord, tu es Bill, qui est hyper dur, et après, le Nikolai est à la con. Je vais tomber deux fois, je suis chanceux. Dans la dernière fois. Voilà, j'ai jamais débrouillé aussi bien. Ça, c'est clair, quoi. Mais c'est dégueulasse quoi. Ah c'est trop tard quoi. Ah ça c'est la meilleure quoi. Il est pas tombé. Ah bah merde. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc, je l'ai pas eu quoi. Ah c'était incroyable quand même. Putain, je l'ai fait tomber trois fois et j'ai loupé après parce que j'étais trop près. Ah c'est vraiment dommage quoi. Ah moi qui pensais que je l'avais eu cette fois-ci tellement facilement. Mais bon après il semble qu'il y a encore le Nikolai à buter et c'est pas encore gagné donc. Ah par contre là je l'avais eu avant, incroyable. Hein. Ouais, faut aller assez vite, faut essayer de tirer 2-3 canons quand vous pouvez et pas attendre 14h quoi. Hein, Thank you.
Ah, moi, tu l'as prouvé que tu sais comment guérir. Alors là, je sais pas si je vais y arriver. Parce que le temps que je remette ça celui-là et que tu étais de côté, c'était un peu chaud. Vraiment, on a voir ras-le-bol. Toutes les sources d'alimentation sont activées. Mise sous tension. Voilà. Ah, c'est pas facile. Allez. Non, pas zappé la chaîne, mais en tout cas je suis vachement content parce que c'est une vraie saloperie. Allez, tue-le. Allez, on la zappe la scène. Parce que bon, c'est pas facile. Je l'ai pas non plus. Bon, mais non, on a encore un souci, c'est qu'on peut pas sauvegarder maintenant qu'on l'a buté. Et qu'il y a encore, le Nikolai à tuer et on n'a pas longtemps quoi. C'est quelques secondes, il me semble. Vraiment, faut vraiment aller vite. Et ça, c'est vraiment pas cool. Hein. Ils auraient pu nous laisser sauvegarder après le boss, avant et après. Et en fait, là, on peut sauvegarder seulement avant. Voilà. Moi qui me sauvegarde auto-marche, ouais. Mais sinon. Je peux encore me rattraper. Je peux le faire. Pour l'enfer, ça marchera pas en tout cas. Hein. En les derniers modes le plus difficile, on n'a pas de sauvegarde auto quoi. Putain, mais. Il m'a tué là. Je sais pas si la sauvegarde auto ça marche, mais... Ah si, super, la sauvegarde auto ça marche, mais ça marcherait pas pour l'enfer par contre. Ah ouais, mais c'est lui, on a... Il pose vraiment de problème, Nicolas, et j'arrive pas à le déplacer. Ah oui, je sais pourquoi, il faut que j'appuie sur le bouton. Pour viser, là il nous met une visée, mais j'ai pas appuyé dessus. Voilà, je l'ai eu. Super. Ah voilà, on a fini. Ah, c'était dur. Hein. Et la note et la super note. Waouh, 3 succès débloqués. Succès verrouillé à la fin du cauchemar, succès verrouillé, sensationnel, etc. etc. Et je vais garder la capture. On est nouveau dans le jeu ou pas? La fin du cauchemar, évasion, mode de jeu enfer, mode RGP, concept de visite croquibé, membre UEBS. Modèle Nemesis 3ème fort, modèle du Star, modèle Gilles et Carlos Admiral, modèle Carlos Standard, sensationnel concept art Gilles Gare, membre du ABL, modèle Star, machin, on en a fait. Ça veut dire quoi? Qu'il nous manque quoi comme défi? Là on est à 53 sur 58. Et donc ça veut dire qu'il y a plein. Point final, j'ai toujours pas compris. Qu'est-ce que c'est? Il est caché, c'est embêtant. Ah, on a quand même pas mal de zombies encore à tuer. On est à 1712. Oh, je devrais les avoir, quoi. On a encore... Tu ne peux pas test. C'est quoi? Tu ne peux pas test. Ah oui, je vois, c'est quoi? Les super flics aussi.
Donc il nous en reste, selon le truc, il dit qu'il y en a 5. Donc il y en a un, c'est tout. Donc c'est comme s'il en restait 4. Donc il y a point final. Il y a deux secrets que je comprends pas. C'est. Non, le cauchemar des zombies, on sait c'est quoi. C'est point final que je sais pas. Tu ne peux pas test, c'est en fait l'enfer. Et alors Superflix, c'est enfer en, au niveau S. Donc ça on sait aussi. Donc il n'y en a que un que défi que je comprends pas le, qu'est-ce que c'est. Point final. Voilà, j'ai gagné 34 000 points. Ça veut dire que je peux acheter des choses si j'en ai envie. Je peux acheter la mitraillette pour 28 400. Je peux acheter le pistolet infini. Je peux acheter ce que j'ai envie en fait. Pas tout, hein, mais pas mal de choses. Hein. Presse de chargement, c'est pas mal ça. Dans votre inventaire, c'est au moins la quantité de munitions créées lorsque vous en fabriquez. Donc, bon, quand on a munitions infinies, donc on s'en fout un peu. Hein. Allez, on va acheter le fusil. Ce qui fait qu'il reste 5000. Et ben, on va acheter alors la presse. Voilà, j'ai acheté ce qu'on pouvait et il reste 3 trucs qui ne sont pas achetés. Voilà, dans les galeries et tout, on a dû gagner des choses. On a les seconds rôles, on a Nemesis Croquis B. Donc là, c'est quand il a les armes. D'accord. Donc, le jeu, il est quand même plus impressionnant, le parking. Ah mais en fait j'ai débloqué tout sauf une, c'est ça. Wow. Il n'y en a qu'une seule qui n'est pas débloquée, qui doit être liée. Voilà, modèle. Modèle, il en manque beaucoup plus. Il en manque 4. On a débloqué des Nemesis. Nemesis, première forme, variante A. Ça, c'est la deuxième forme, variante A. Et ça, c'est sa troisième forme. C'est là qui est tellement bordélique à tuer. Hein. Ah, il est dur à battre, lui. Hein. En mode cauchemar. Hein. Donc, il en a 4 qui sont pas encore débloqués, qui sont liés au défi manquant. Hein. Il y a 4 défis. Hein. Donc, voilà. C'est normal qu'il y en a 4 qui manquent. Point obtenu, concept art. Ben voilà, on a fini, je suis content. Bye bye les amis. À la prochaine pour l'enfer.